Et voilà, on est parti sur du Two Point Hospital. J'essaie un nouveau truc ce soir. J'ai installé mes baffes de façon à avoir un peu de son, parce que c'est vrai que très souvent, j'ai le son du casque, mais quand je fais les vidéos TikTok, tout ça, il n'y a pas le son, et c'est un peu nul, c'est un peu embêtant. Donc sur coup, j'avais mis les... Je me suis mis les baffes, puis même pour moi, à chaque fois quand je veux changer de façon d'écouter, quand je veux passer en fait du PC ou sur mon casque, c'est la galère. Donc là, au moins avec les baffes, si je veux couper le son, bah, je coupe le son. Si je veux monter le son, je monte le son. Je suis tranquille là. Après un jour, peut-être que je mettrai quand même le micro du PC pour voir si c'est mieux, mais j'ai l'impression qu'il capte beaucoup trop de son par rapport à mon casque. Donc je pense que je vais rester au casque. Comme ça me dérange pas trop. C'est pas le, mon casque. Je l'aime bien mon casque. Mon casque, c'est mon casque. Ouais. Quitte à pas avoir deux chéris ou pas de avoir de garçons gentils, je suis amoureuse de mon casque. Voilà. Kota et Dodo quand? Zabou, je te parle. Tu comptes aller au dodo quand? Ouais, bientôt, 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 bientôt. Ça fait 1 heure que tu me dis bientôt. Aussi. Il est presque 21 h, je te signale. Ah ouais. C'est bien pour ça que je te dis, ça fait 1 heure que tu me dis bientôt. Donc quand ça fait 1 heure que tu dis bientôt, ça s'appelle plus bientôt. Ça s'appelle se moquer du monde. Oui, t'as mal aux jambes, c'est parce que t'es fatigué, justement. Et c'est quoi pour éviter la fatigue? C'est reposer. Et voilà. Tac, déjà on a fait une base pour avoir des missions qui vont aller vite. Je vais faire un médecin en recherche. Tac, voilà. Tac. Tac, on va avoir du monde qui va tourner. Ici, on va... Ça, j'ai recoupé si et tout ça, j'ai pris. C'est les agents de maintenance qu'il me faut le plus. Beaucoup se jouent par les agents de maintenance. Alors, j'ai essayé plusieurs fois de faire à la demande. Ça a assez bien fonctionné à la demande, mais c'est pas non plus, non plus, non plus le must. Donc, on va essayer autre chose. Façon, hein, faut tenter les choses pour pouvoir trouver la solution. Donc, on va tenter. Mais attendez, je bouge ma baffe parce que ma baffe elle est dans le passage. Voilà, toc. Et voilà, si ma petite tablette ici, c'est mieux. Alors. Today's sponsor is Rent an Eel. Rent an Eel for all of your short-term eel-based needs. This is Two Point Radio. Oh.
Là, la formation va pas tarder à s'arrêter. Surtout, on va avoir aussitôt après l'amélioration. Hop. Donc ça, on sait que ça se passe. Ça se sert. Coucou mon Kaya! Dis donc, ça fait trop longtemps! Comment ça va mon Kaya? Comment tu vas? Oh, ça pousse, ça va! Stop un peu et dépêche-toi. Moi nickel et toi? Eh ben écoute, ça va, tu vois, je réaménage encore un peu. Mon espace de travail gaming pour améliorer des choses. Donc, dit-elle avec une voix sensuelle, alors que le truc est pas, le sujet est pas du tout sensuel. mais voilà, je réinstalle. Donc là, tu vois, sur coup, j'ai ressorti mes baffes parce que sur coup, le son du PC est très très faible. Donc, quand je veux lancer des jeux. Pour pouvoir entendre sur le PC, le son est hyper faible, donc j'ai ressorti mes baffes. Donc il a fallu que je reconfigure tout ça, pour ça que je suis un petit peu à la bourre ce soir. Voilà. Donc voilà, je voulais tester aussi le micro du PC. Et après réflexion, j'ai dit non, le micro du PC, il est vraiment trop, trop sensible. Je préfère mon casque qui filtre quand même beaucoup les sons extérieurs. Donc j'avais peur qu'il y ait trop de sons extérieurs et que pour vous ça n'est ça soit pas intéressant. Après je pense qu'un jour j'essaierai quand même, pourquoi? Juste pour me donner une idée de savoir si ça aide ou pas. Alors 200 points de recherche, ils sont lancés. Ça c'est bon. Ça va s'enchaîner. Allô, à quel hôpital est-ce? Quel hôpital est-ce? Alors le jeu c'est Two Point Hospital. Je l'ai eu il y a très longtemps par Prime Gaming. Et donc ton but c'est de monter ton hôpital. Alors après si tu demandes quel niveau, c'est le niveau de ce coup de open. Enfin voilà. Je parle toujours anglais. Et c'est celui-là que ça va faire des semaines et des semaines que je suis coincée. Ce niveau-là, je sais pas. Il veut pas de moi. Ce niveau-là, il veut vraiment pas de moi. Ah, il est connu pour être compliqué? Ouais, je crois. Au moins, ça vient pas que de moi. C'est gentil, déjà. Parce que, non, il me... Fouf. Je sais pas combien de parties j'ai. Sur rien que ce niveau. Rien que ce niveau, ouais, je sais pas. J'ai essayé la stratégie de dire je fabrique des salles en fonction de la demande. Mais le pire, c'est le Festival Murbury du DLC. Ah ouais? Je sais pas, je l'ai pas essayé. J'avance vraiment au fur et à mesure. Et celui-là, tu l'as réussi? Oui, avec un peu de temps, mais il est full star. Oh, purée, comment t'as fait? Moi, déjà, faudrait qu'il soit full non-décès. Ça serait déjà pas mal. Est-ce qu'autant te dire que je fais plus de décès que de vivants là-dedans, donc...
Bon, désolé, Makata, je dois te laisser. Eh ben, écoute, pas de soucis, mon Kaya. Il n'y a aucun souci. Je passais juste dire bonjour, mais c'est trop mignon! Bisous, mon Kaya! Bonne soirée à toi! Alors, je ne sais pas si tu as saisi, car j'ai remarqué que plusieurs personnes n'avaient pas fait attention, mais pour avoir de l'argent, il faut les objectifs publics en soi, faire des recherches actuellement. Ouais, c'est ça. C'est ça, les objectifs publics, ouais, il faut vraiment les faire tourner. Mais après, le truc où c'est vicieux, c'est que quand tu es dans le rouge, c'est là qu'ils te demandent des objectifs publics où il faut que tu achètes des trucs. Tu pratiques quand tu es dans le rouge. Parce que moi, c'est souvent ça en fait qui me met dans la panade. C'est quand je commence à être dans le rouge, c'est là qu'ils me sortent les missions où faut acheter quelque chose. Alors soit faire upgrade une machine. Ouais, le jeu est fourbe. Ouais, sans déconner. Ouais, il est méga fourbe, ça c'est clair. Il attend le moment où t'es le plus opportun pour faire faillite. Des fois, c'est ce que je me dis. Des fois, je me dis, il est programmé ce jeu en fait pour te faire flancher au moment où tu t'y attends pas. Mais j'ai réussi à avoir encore une étoile. J'ai fait déjà deux parties avec une étoile. Mais je passe pas plus. Bon, j'en ai vu un qui était parti vers l'eau sale. Exact. Hop là. Ah ben, il y en a un qui revient. Ah ben, pour l'instant, c'est une étoile, mais il faut en avoir au moins trois, ce qui est bien. Après, je vise pas la quatrième étoile, hein, honnêtement. J'essaie de faire vraiment trois étoiles, c'est déjà pas mal. Une étoile déjà, c'est dur, alors c'est... Bah, tu digères et y a pas de dos. Et il n'y aura pas de lecture, hein, ce sera pas la peine de demander. Hein. Non, mais tu as entendu ce que je viens de te dire? Exactement. Ouais, il y a que 3 étoiles, pas 4. Ouais, je sais. Je sais pas pourquoi j'ai dit 4. Alors, par exemple, je vois que tu as une salle de formation très grande. Ça te bouffe de la place pour rien. Par contre, en la réduisant, tu peux y mettre le mannequin d'anatomie, le squelette et les posters qui boostent la formation. Dans la salle de machin? Mais j'ai pas ça, moi! Attends, sur le coup, j'ai même pu surveiller qui c'est qui était malade. Je suis en train de te lire, j'ai même pas regardé. Ah, c'était toi. Viens ici. Viens ici! C'est bon. Ah, attends, tu me dis que dans la salle de formation. Ouais, c'est vrai que je fais les salles automatiques, ouais, la plupart du temps. Après, ouais, ça m'arrive de réduire un peu les dimensions à mon goût. Mais par contre, tu m'as parlé d'un mannequin et tout ça, mais moi, j'ai pas. Tu veux dire le squelette anatomique? Ouais, le squelette anatomique. Ouais, je l'ai pas débloqué encore. Tu m'as dit ça. Et le mannequin. C'est le modèle, tu veux dire? Le modèle anatomique? C'est ça. T'inquiète, t'as le droit de plus avoir les noms, t'inquiète. Hop. Merci!
Ah ouais? Et pour le labo, il y a des trucs? Faut que je regarde. S'il y a des trucs qui peuvent te permettre aussi de faire des recherches plus... Ah ouais, je viens de voir, exact. Ouais, le poster, il est là. La formation, ouais, plus 1. Plus 1, ça aussi. J'ai pas regardé le poster de prise de le test de la vue, non. C'est vrai que j'ai jamais rien acheté en fait avec les sous que je gagnais. Sur le coup, j'ai jamais rien débloqué. Mais ouais, c'est une bonne. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Parce que honnêtement. Ouais, c'est ça, mais j'ai vu, ouais, quand tu cliques sur les éléments, ça te dit à peu près. Certains éléments sont en plus 1 ou d'autres, d'autres non. Mais merci en tout cas, parce que tu vois, ça c'était un truc que tu vois, j'avais pas repéré. C'est vrai que moi je gagnais ces sous-là, je dis, bon, pff, ça sert à rien, mais. Eh, tu sais quoi, juste pour le plaisir que maintenant tu m'as montré tout ça, je vais refaire. Je vais refaire. On va refaire. Tu acceptes toutes les promotions ou pas? Oui. Alors, je sais que c'est à tort. Parce que ça peut... sur coup, ça flanche mon budget. Mais ouais, j'accepte toutes les promotions, ouais. T'as une astuce pour moi. Alors, vas-y, dis. Je suis preneuse. En bas à gauche, tu vas dans le... Ouais, dans le dollar, tu as un aperçu, il me semble, puis le personnel. Ouais. Tu peux même aller directement sur personnel et t'as les... T'as là, les salaires. J'ai pas le jeu sous les yeux. Bah oui, c'est ça. Pour diriger, c'est pas toujours évident, hein. Mais même dans le personnel, tu as la case... Non, c'est pas ce que je veux te montrer. Ah, ok. Alors, attends. On va aller dans le dollar. Aperçu. Personnel. Là. Politique, pardon. Tu mets la case promouvoir automatiquement, non? C'est ça que tu veux dire? Bah c'est ça, bah ouais, t'as raison. Merci! Ah, surtout que ça va vite, hein, les lettres, à force. Ils sont là. Je veux une promotion, je veux une promotion, je veux une promotion. Oui, bah, 2 secondes. Quel est ton nom, quel est ton matricule? Et on verra la promotion après, hein. Ça, c'est pour la formation. Ah, est-ce qu'il y a des trucs pour... Non, objectif décoratif. Ah ah! Je veux ça. Je veux ça. Tac.
I am, as you know, an expert on local history. So from time to time, I shall endeavor to educate you all on matters of 2 points past. For instance, did you know the recently constructed hospital was built on a hamster burial ground? Of course, I for one would not be surprised if this parasite hotel attracted a whole new Next, another stirring piece of contemporary music. Bah déjà, on va faire ça. Hop. Déjà, pour les diagnostics, celle-là, elle sera un peu accélérée. Fait d'accélérer le traitement, ce qu'ils vont faire, généraliste, diag, généraliste à nouveau, mais généraliste, diag, le traitement, du coup, ça te fait moins de files d'attente au généraliste. Bah, c'est ça. C'est pour ça, là, quand j'ai vu que ça pouvait accélérer le traitement, j'ai dit, hop, hop, hop. Bien ici. Le gel hydroalcoolique, c'est bien aussi pour la propreté des gens et les poubelles, déchets toxiques. Ouais, alors ça, j'ai vu. Ça, j'ai vu. Les poubelles déchets toxiques, au final, elles sont mieux que les poubelles normales. Ça, j'ai vu, ouais. Ouais. Oui, dans le jeu, tu veux... Bon, on va former un membre du personnel, hein. Alors, ici, j'ai dit que je vais mettre un psy. Ah, est-ce qu'il y a des trucs pour augmenter la psychanalyse? Non, c'est la formation. Formation aussi. Ouais, pour les psys, il y a pas... C'est la même chose que pour les médecins généralistes. Est-ce que je peux retrouver là? Ah oui, je peux les retrouver là. Je sais pas par contre si je retrouverai la pharmacie. Non, le meuble de pharmacie, je le retrouve pas là. Il y a une bibliothèque de traitement et la bibliothèque de diagnostic en bas. Ah, j'ai pas vu. Alors, ah oui. Perfecto. En psy, tu as une bibliothèque de diagnostic et en bas, le robot, tu peux ajouter en plus de l'armoire. Le robot, je peux le mettre dans toutes les salles de... Alors, attends. Celle-là aussi, on va essayer de l'améliorer, tu vois. Alors, tu m'as parlé d'un robot. Descendu trop vite. Je vois pas de robot. Je sais pas si ce sera utile pour ici, mais bon, je vais la mettre. Je vois pas le robot. Ouais, je vois pas le robot. Nigel Bickleworth is an obsolete stick in the mud. Today we tackle the manners of that most futuristic of communication methods, the electronic mail. The etiquette here is... Le bras de robot, tu peux aller en cardio.
This means one may wait 2 or 3 weeks to reply in order to counterbalance the cardiac general immediacy of computerized letters. Mais je vois pas le bras de robot en fait. T'es sûr tout ça? Mais c'est la peinture, le dessin. Guirlande lumineuse. Ça, c'est les posters. Tu vas te renseigner, attends. Ok, pas de soucis, merci. Est-ce que là, je vois pas le bras de robot? J'ai la balance, mais apparemment, c'est juste un objectif décoratif. Et la pharmacie, mais j'ai pas de... J'ai pas de bras de robot. Voilà, déjà, je pense que déjà, ça va être... Ça va carburer plus vite, hein. Alors, embaucher. C'est pour ça que je le voyais pas. Ah, t'inquiète pas, il y a pas de souci, hein. T'as le droit de te tromper. Déjà, tu m'as donné un sacré coup de main. Ouais, mais t'es censé aller au lit, toi. Ah oui. Non, 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 mais je rigole pas. Alors, améliorer les machines. Les toilettes sont grandes aussi. Et la salle commune, tu peux l'optimiser. Ah, la salle commune, je peux l'optimiser. Yeah. Là. Attends, je vais faire la salle des fractures ici. Roaring fires. Tasty sandwiches. The time Derek told you that joke. 2 point back. It just feels right, doesn't it? Serving 2 point county. This is 2 point radio. Steak. Mais après, j'ai pas l'impression qu'on a un manque de place, honnêtement, dans cette fonction du jeu. J'ai pas l'impression qu'on ait un manque de place, parce qu'on a vraiment beaucoup de bâtiments qu'on peut acheter pour agrandir. Donc, c'est pas le manque de place, je pense, qui joue beaucoup. Ouais, c'est clair. Ils sont horriblement volumineux, c'est pour ça que je fais une très grande salle à chaque fois, parce que ils te prennent une place de fou. Ouais, c'est pour ça, niveau place, c'est large. Donc même si ça fait des grandes salles, c'est pas au final ce qui me dérange le plus. Ah, c'est l'heure des recherches. Pourquoi je viens de finir? Ah oui, bah excuse-moi, j'avais même pas vu. Ah bah j'ai pas fait la salle de recherche. J'ai pas fait la salle de recherche. Tac.
Ah, tu m'avais dit les serveurs, ouais. Ah ouais, potentiel de recherche plus 1. Ah bah oui. Je vais lui en coller plusieurs, moi. Tac. Ça, c'est pour la formation, formation. Plus 1, allez, go. Allez, go. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Mais bon, si ça peut booster pour aller plus vite, autant essayer. Hein. Hop, moi je vais faire ça là, tac. Ouais, c'est ce que je viens de voir. Je vais mettre une, formation chercheur parce que je viens de voir que j'en ai pas. Tu vas monter vite, toi, hein. Vu tous les coups de main que tu me donnes, tu vas être recordman de monter sur le live. Ah, c'est encore un mec pour le psy. C'est bon, les psys, on a compris. Another tidbit of two-point history for you. Faut pas croire, c'est parce que je suis pas en train de jouer. Sinon, je parle moins. Ah bah ça c'est sûr, que quand on est en train de jouer, on peut pas tout faire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais je réponds toujours aux questions. Ah bah écoute. Tu live aussi ou tu joues juste jouer? Non, je joue simplement. Si je live, c'est sur Discord avec une amie qui débute dans le jeu et que j'aide aussi. Ah bah voilà. Tu vas devenir le principal ambassadeur du jeu. Ouais, mais déjà, voilà, si vous arrivez à vous entraîner, c'est déjà super bien, hein, franchement. Surtout sur un jeu comme ça qui peut avoir des niveaux assez complexes. Chacun a sa façon un peu de le voir. Et sur coup, bah, c'est clair que chacun a sa façon de le jouer. Et donc si on le gère pas pareil, il peut y avoir des grosses différences sur l'aboutissement de la partie. Je vais faire guide des succès cachés sur Steam. Eh ben dis donc. Ah, c'est sûr que c'est pas évident, ouais. Après, c'est pareil, ils vont sortir Two Point Campus. Au mois de mai, apparemment, qu'on m'a dit. Tu fermes les succès ou pas sur Steam? Alors déjà, je joue pas sur Steam, en fait. Je suis sur Prime. Quoi? On va devoir créer un campus. Oui. Et toi, tu vas créer ton lit tout de suite? Non, c'est l'heure. Tu rigoles, toi? T'as vu l'heure qu'il est? Hey, il est 9h30. Ouais, ouais, dodo. Tout de suite. Dodo, tout de suite. Ah, je te laisse pas le choix, là.
Quoi? Non, non, tu es dodo. Tu m'énerves! T'écoutes jamais rien de ce que je dis, ça commence à m'agacer. Ouais, bah oui, c'est ça. Comme tu l'avais déjà, tu l'as pas repris. Moi, je l'avais. Enfin, je l'ai pris sur Prime. Parce que, bah, en fait, toute ma chaîne est basée sur que des jeux qu'on me donne soit sur Prime, soit sur Epic Games. Je teste tous les jeux. Et après, les gens prennent les jeux qui les intéressent et les jeux qui ne les intéressent pas. Enfin, bah, ils ne prennent pas les jeux qui les intéressent pas. Mais, et moi, je sélectionne sur le coup aussi mes jeux qui m'intéressent à faire sur la chaîne après. Une fois que je les ai récupérés. Donc ouais, c'est comme ça que je l'ai eu, et donc sur coup, je passe pas par Steam, je passe que par Prime, et donc... Donc sur coup, j'ai pas les succès. Après, il me semble qu'on peut relier les bibliothèques, mais après, je sais pas trop comment on fait, donc je vais pas me prendre la tête. Réapprovisionner 8 distributeurs. Évidemment, j'ai pas le temps de me fiche mes distributeurs partout, moi. Which one can access on what I believe is called the information highway. I'm talking of course of elbow patches. Je reviens, j'ai un affamé qui réclame à manger. Ben moi j'en ai un qui est censé aller se coucher parce qu'il a fini de manger, mais bizarrement il est encore en train de manger, il est toujours pas couché. Oui, non, non, mais là ça commence à me... J'ai pas peine de répliquer derrière. Parce que là ça me fait pas rire. Encore deux personnes. Je viens d'en voir une. Et deux. Et voilà. Alors, marmitette. Doctor to research, please. Sur le coup, marmitette, j'ai pas regardé. Peut-être qu'en fait, il y a une amélioration aussi. J'ai pas regardé pour cette salle. Magnétisme, des boxstars, nuances grises, marmitette. Non, c'est juste l'attrait de la salle, y a rien pour la marmitette. Ok, parfait. N'a pas inclus sa visite de l'hôpital dans son journal intime et publié toutes les semaines. Ok. Ça, par contre, je voulais. Alors. Voilà. Alors, former un docteur. Si j'ai les sous, j'ai le former en ADN parce que je crois que j'ai personne pour l'ADN. Chirurgie, je crois que j'ai quelqu'un.
J'en ai zéro formé, donc c'est la chirurgie que j'ai personne. Donc on va faire la chirurgie. Hop. Est-ce que j'ai fait une salle de général? Non, j'ai pas fait une salle de général. Je vais refaire un général ici. Un autre toilette. Pour la mission débouchage des toilettes. Et voilà. C'est quoi salle d'injection. Salle d'injection. Hop, on va y aller. Salle d'injection. Y a rien pour la salle d'injection. Non, c'est recherche, recherche. Non, la salle d'injection, il n'y a rien. Ok. Cette salle-là, en fait, j'ai même pas regardé s'il y avait quelque chose. Oh, j'aurais pu mettre ça. Ça y est, tu l'as mangé, ton ton affamé. La bonne résolution. Ça, c'est l'aide à la recherche. Ouais, c'est vraiment d'économiser. Ouais. 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 Lui, il est en train de manger et moi aussi du coup. Bah bon appétit à vous deux. C'est quoi? Arroser 10 plantes. Bon, les abous. Oli. Tu peux forcer l'action des agents de maintenance pour arroser les plantes. Dans un hôpital qui m'a posé des soucis en ce moment-là. Ça compte. Bah, en fait, c'est moi qui leur demande d'aller arroser, ouais. Comme ça? C'est ça que tu veux dire?
Ouais, pas bête. Ouais, si le rosier demande pas mal de d'eau, ouais. Ah. Ouais, t'es assez rapide. Former un agent de maintenance. Hop. If you are ever fortunate enough to visit the Jumbo Head offices, I urge you. Je mets plus de plantes car ça demande trop d'entretien et j'ai autre chose à faire avec mes agents de maintenance. Ah bah oui, non, c'est clair. Mais là, comme il y a beaucoup de... Ils me le mettent très souvent à arroser les plantes. Donc sur coup, c'est pour ça que j'ai essayé les plantes. Autrement, j'en mets quasiment jamais non plus dans mes hôpitaux. Il y a largement autre chose à faire. Puis pour le peu d'attrait que ça apporte... Autant mettre des tapis, les tapis rapportent plus d'attrait et il y a moins de maintenance dessus. Ouf, juste à temps. J'ai relancé juste à temps. Ah ouais, les rosiers, ouais, bah ouais, ouais. Bah tous les trucs que tu débloques de toute façon avec les points que tu gagnes, hein, ça te met beaucoup d'attrait. Hein. Mais après... Le meilleur moyen d'augmenter l'attrait à moindre coût, c'est le porte-drapeau. Ah bah écoute, je vais regarder ça. C'est quoi qu'ils veulent, là? Horreur électrique, on va aller la construire. Chut. Ah, porte-chapeau, pas drapeau. Oh, excuse-moi, moi je voulais mettre des drapeaux. C'est bien aussi les drapeaux. Oh. Le coffre aussi est pas mal, d'accord. J'ai pas le porte-chapeau. Ouais, je pense aussi parce que je l'ai pas. Et c'est la fonction recherche à côté du filtre. À côté de filtrer. La fonction recherche à côté de filtrer. Je vois pas... Je vois pas ce que tu veux dire. Dans les éléments. Filtrer. Décoration. Porte... Non, porte-chapeau, tu vois, y a pas. Rien qu'à mettre porte, ils veulent pas.
Donc le porte-chapeau, il doit pas être, il doit être en surplus dans le DLC. Ouais. Alors, il y en a 3 désinfectés. Certainement dans la culture chou. Ouais, bah c'est possible, ouais. Pourquoi il court dans tous les sens? J'ai pas de fantôme. Mais quand ils sont malades, ils courent pas! Et toi, t'es pas censé être couché, toi? Il y a un DLC qui sort aujourd'hui. Ah ouais? Non, c'était pas le secrétariat. Parce que des fois, c'est celle de secrétariat qui est malade. Avec des ambulances. Oh! Bon, par contre, cette épidémie, là, elle commence à me casser les pieds. Il est où le patient? Il est où le patient manquant? Non mais sérieux, l'épidémie là, tu te calmes? Parfois, il n'est pas encore arrivé à l'hôpital qui compte. Ouais, bah, c'est ce que j'ai vu. Ouais, des fois, je suis en train de le chercher partout. Puis d'un seul coup, je dis, ah oh, bah d'accord. Si t'es pas encore à la porte, ça sert à rien que je te cherche. C'est quoi, magnétisme animal? Ouais, mais j'ai pas les sous pour l'instant. On va faire renvoyer au domicile. J'ai pas les sous. Hop. Ouais. Je crois qu'il sortait de la salle commune. À mon avis, ouais, t'es pas loin de la salle commune. Tu as de bons yeux. Nurse required a general diagnosis. 480 pixels. Eh ben, on fait. Eh oh, franchement, voilà, hein, tu vas pouvoir remplacer les ophtalmos, hein. Génétique, je crois que j'ai. Ouais, par contre, je viens de tout juste découvrir ça. Ça, c'est bien ça. Parce que sur coup, on voit le nombre de personnes qu'on peut, qui sont formées dans chaque truc. Et ça, c'est pratique parce que à chaque fois, je cherchais moi-même. Et là, j'en ai pas de formée dans ça. Et donc, ça veut dire que là, il faudrait que je paye quelqu'un pour le faire. Ok. On va faire en radiologie, parce que j'en ai pas beaucoup en radiologie, j'en ai qu'un seul. Pour l'instant, on n'a pas mis la salle de radiologie. Faut préparer pour quand on la mettra. Oui, je me sers souvent de ça pour savoir ce que je dois former ou pas. Ouais, non, mais c'est ça. Je viens tout juste de remarquer ça, mais c'est vraiment bien, en fin de compte. Parce qu'à chaque fois, je faisais un peu au pifromètre. Je mettais chaque catégorie pour voir laquelle j'avais personne. Et des fois, ça prenait 10 ans. Ouais, mais c'est ce que je fais.
C'est ce que je fais aussi. C'est ce que je fais aussi. Quand la partie commence, j'essaie d'embaucher un maximum de personnes en fonction de chaque service, de façon à ne jamais me retrouver à pouvoir toujours former quelqu'un, même si j'ai plus d'argent. Mais ouais, ça je le fais aussi. Et ça te sauve des parties, hein. Mais tu veux pas souvent le faire au-delà de l'échelon 3. Ouais. L'échelon 3, c'est énorme. Ah, débouché 8 toilettes. J'avais même pas vu. Don't put your health in the hands of a quack. Come to Bungle Meditech. Bah, c'est ce que je fais là, tu vois, en fonction des demandes, tu vois, je mets les salles. Could make you live forever. Bungle Meditech. Other hospitals offer leeches. Ours will leave you speechless. 24 hours a day. This is 2.1 Radio. Chirurgie. Ah, je vais le renvoyer chez lui parce que j'ai pas avoir assez. J'ai pas de sous pour l'instant donc. Ouais, bah c'est ça. Mais là, j'ai avant ma recherche normalement qui me fait gagner 20 000 qui va arriver. Et j'ai cette mission-là qui va se finir. Donc normalement, on va repasser en positif dans pas très très longtemps. Chut, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça d'abord. Tu vas être vite. Ouais, non, c'est ça. C'est que je sais à peu près ce que j'ai besoin, donc sur coup j'essaie de m'assurer le coup à venir. Sauf qu'au final, ben, en assurant le coup à venir, je finis souvent dans la banqueroute. C'est pas le bon plan justement. Je sais. Je sais que c'est pas le bon plan. Je fais avec. Je fais ce que je peux. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait couper le son. GG pour l'étoile. Merci. Attends, j'ai mon son qui s'est coupé. Je sais pas trop pourquoi. Hop. Oh. Ah, c'est que j'avais appuyé sur mon casque. Hop. Oh, c'est un petit peu parti grâce à toi quand même. Sauf dans certains cas, sauf genre les remixes. Ouais, non, c'est ça. Mais la une étoile, j'arrive à la faire. Mais après, c'est plus loin que ça coince. Standing in Hogsford yesterday evening, I wondered if even the great masters could have captured the dwindling light as it painted its dreamy oranges across the sky. Then I realized the great masters never had. Mais là avec tes solutions là, ça aide vraiment. Hein. Que sur coup les files d'attente, moi déjà là, moi j'étais en galère à chaque fois, j'avais des files d'attente de malade. Bon déjà le psy il en a plein, mais ça va, moi j'avais tous les docteurs généralistes, ils étaient en file d'attente à gogo. Mais ouais, t'as raison, tu peux éteindre. Ah oui, tu voulais allumer chez toi d'abord. Mmh.
Oh purée. Et ça passe difficile. Ah bah purée. Et malgré les items, ça, tu galères. J'ai pas hâte d'y être. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est compliqué, hein. Il est franchement bien fait, parce qu'il est vraiment compliqué à... Tu peux pas te reposer sur tes lauriers. C'est pas parce qu'une partie, tu vas gagner direct, que l'autre, tu vas la gagner en 2 secondes, quoi. C'est... Il y a du décès dans l'air. Ils sont tous là ou pas? Les trois? Ok, bah ferme le volet. Je vais débloquer une recherche qui me rapporte plus de 40 000 dollars. Waouh! Ah bah ouais, non, bah, tu m'étonnes, ça va bien t'aider, toi. Ça va être carrément du luxe! You know which finger I'm talking about. I will just say this. You, sir, are a bore and a clod. Brefond, retour à ton hôpital. Oh, maintenant tu peux. Tu peux continuer à me parler de du tien, hein. Je vais essayer d'économiser, je vais suivre tes conseils. Bon, on sait qu'il faut faire la salle de recherche. Voilà, la salle de formation. Ouais, j'ai recommencé parce que je suis trop en faillite, c'est pas possible. Mais en pause. Pause. Voilà, on a le temps. Hop, pour la vitesse de formation. Pour... Oh, vitesse de formation plus 4, celle-là. Trop bien. Time mini et prestige 3. Ok. DVC de 2 cases de large, c'est suffisant. T'en feras juste d'autres plus loin. Ouais. Recherche, pas besoin de faire le prestige. Bon, de toute façon, je vise pas les prestiges des salles. Autant te dire que là, je vise la rapidité des salles. Le prestige, je m'en fous un peu. C'est vraiment le... Là, tu vois, j'ai mis le serveur exprès pour la rapidité, tout ça. J'ai mis le super ordinateur. La recherche va pomper tout ton budget. Ouais, ouais, c'est ça, ouais.
Hop. Après, on a dit qu'on voulait mettre le psy ici. Va te coucher, toi. Non, mais tu rigoles? Je t'ai dit quoi tout à l'heure? Ah, celui-là est non valide pour cette pièce, ici. Oh, tu veux pas? Ici? Mais, vous êtes pas gentil, vous. Fonctionne comme si... Ah bah, écoute, moi j'essaie de les caler. Moi, quitte à les utiliser, je les mets partout. Justement, les prestiges va aider au moral de tes employés, les choses qu'il a demandé plus tard. Bah ouais, c'est ça. il est bien, lui. N'importe quoi. Ici. Je vais enclencher la recherche, ça. Hop, voilà. Ici. On va former... Bon, on va former en recherche. Voilà. Ça. On va embaucher. Lui. Et lui. Ouais, non, c'est ça, ouais. Ouais, non, mais je comprends entièrement ce que tu veux dire. Alors là, il n'y a pas de souci, je comprends entièrement ce que tu veux dire. Et tu as entièrement raison. Ouais, j'ai vu, ouais. Ça, c'est pas toujours évident à gérer, d'ailleurs. Hein. Il y en a certains, t'as envie de leur en coller, hein. moi, j'en embauche un deuxième pour qu'ils puissent faire s'alterner tous les deux, parce qu'autrement, ils sont galères. Voilà, ça c'est fait. Et vu qu'on a boosté la recherche, la formation, vu qu'on a boosté la formation, ça, elle fait des formations plus rapidement. Donc si là j'enclenche... On sait qu'après, c'est l'amélioration de la machine. Si je l'enclenche maintenant, logiquement, la formation va s'arrêter. Je vais avoir juste le temps que la mission se lance et la machine va s'arrêter. On va lancer, on va voir. Let's go! Tous en action! Voilà. Bah, je refuse les mal appris, les bougons, les mauvais caractères et ceux qui rendent les gens nauséeux. Si j'ai assez de personnel, j'évite aussi qu'ils s'endorment ou qu'on ait des soucis s'ils ont faim ou envie de pipi, mais c'est plus gênant ces derniers. Ah ouais, non, mais c'est ça, hein. C'est pour ça que j'essaie toujours d'avoir un peu un doublon.
toute façon à ce que les salles tournent quand même, même si j'ai plus le... Ah oui, bah tiens, on repart là-dessus. Attends, aperçu, tu m'as dit politique. Hop, hop, voilà. D'accord. Regarde, amélioration de la machine. Et là, on va faire bingo. Ça a passé juste crème. C'était parfait. % veut dire plus d'attente dans l'hôpital. Ouais, non, mais c'est ça, hein. Mais là, par contre, faut que ça tourne, hein. Augmente tes prix. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que sur l'autre partie, je l'ai pas faite. À tort. Parce que c'est quand même un truc qui aide beaucoup. Et si je la mets 3-4 fois, l'armoire, est-ce que ça augmente? Tu vois, par exemple, si je la mets 3 fois, ça fait diagnostic plus 3 ou... 3 fois la généraliste. Oui, ça se cumule. Ah, bah écoute. Hop, hop. Toi, tu vas te diagnostiquer tellement vite que tu vas te prendre pour une fusée. Voilà. Bah ça y est, j'ai fait 3 généralistes. C'est ce que je voulais. Généraliste, j'en fais toujours au minimum 3. Parce que c'est toujours le bazar. Oui, mais elle fait juste l'attrait. Si mon souvenir est bon, elle fait juste l'attrait de la salle. Elle ne fait pas un bonus. Regarde la balance. T'as pas de bonus, c'est juste une décoration. Ah, 3 sur 3. Excuse-moi. Pas celle-là, l'autre. L'autre. J'en ai pas d'autre. C'était encore dans un DLC, hein. Eh, on va mettre pause, hein. Voilà. Mon avis, c'est un DLC, hein, parce que j'ai pas d'autre balance, hein. On va y arriver, t'en fais pas. Chirurgie. Oui, c'est dans le rétro pack, visiblement. Ah ben, à mon avis, oui, hein. À mon avis, mon avis, il y a des chances, hein. Parce que je l'avais pas.
C'est quoi un agent de maintenance? Ouais. Mais après, ouais, faut... Après, faut voir, ouais. Hop. Exhibition item pack aussi est top pour 4 euros. D'accord. Watching a line of Orb Foundation recruits walking down the street yesterday when I saw one of them trip and get separated from the others. Voilà. He started turning in circles and bumping the walls. Ici? So there's your proof, folks. The drones can't function when they're cut off from the collective. Tu t'en mets un là? Remember this weakness. Tu t'en mets un là? Voilà, c'est quoi toi? Merci bien. Ils ont pas été arrêtés une seule fois ou quoi? Ok. Ouais, pense à mettre des distributeurs. J'en ai déjà mis en fait ici. Dans cette salle-là. Tu as le trampoline? Le trampoline, tu rigoles quoi? Moi j'ai des jeux d'arcade, des boîtes de boutique. Tapis de foot, tapis spatial, grande fontaine. Attends, trampoline, c'est écrit T-E-L. Ah! Évidemment, à chaque fois, il y a une alerte épidémique à ce moment-là. Let's go, l'alerte épidémique, on est occupé. T-R-E. Apparemment, non. La bande arcade, elle est bien, mais chère. Ok. Oh, tu as pas, c'est dommage. Ouais.
Ouais. On peut voir les bloquer, hein. Ah, tu m'as dit la bande d'arcade. Ah bon, on va piquer des fesses. Alors, quelles fesses sont vouées à être piquées? Ah, j'en ai vu une. Deux. Trois. Mais ici! Après, moi, dans la version que j'ai du jeu, tout ce qui a trait à Sonic te fait gagner de l'attrait à une grande vitesse. Voilà, toi, je t'ai vu. J'aime la déco. Oui, je l'ai aussi, le pack Sonic. Ouais, et là, dans tout ce que j'ai fait construire, quand tu peux mettre des trucs de Sonic dans les pièces, ta pièce, elle monte en prestige à une vitesse. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, après, moi, je mets les tapis. Je me prends pas trop la tête. Moi, je mets les tapis. J'ai dit, oh, bah, écoute, hein, ils sont là. Hein, autant les occuper. Ah, ils veulent quoi? Posséder une salle? Former un membre du personnel. Ah, viens ici, toi. Ouais, les gens aiment pas être debout. Bah, ils vont attendre quand même. J'ai autre chose à faire. Chaque chose en son temps. Faut que je fasse ma salle pixelite. Parce que si je la fais toujours pas... Alors, les bancs argentés sont aussi chers que les autres, mais augmentent grandement... le confort. Bon, argenté là. Ok. Bien, madame. Allez, faites-vous une petite réunion Tupperware ici. Ça vous occupera. Voilà. Voilà. C'est fait. Des individus... J'arrive plus à dire le nom. Des individus souffrant de fractures arrivent. Good luck for all you rock fans. Non, tu veux vraiment pas. Bon, bah, on va te mettre là. Voilà.
and you can win them by answering a simple question. What is the name of the Recherche. Most popular song? The C'est fait. Call in if you Ouais, bah c'est ça, ouais. Mais quand on sera bien financièrement. Quand je te dis à l'aise, c'est... Oui, bah oui, bah oui. Oui, 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 Je suis d'accord avec toi, 700 000 cas, je serais largement à l'aise. Hein. Ah, tu sais que tu peux augmenter le nombre d'employés dans certaines salles, fractures, communes, recherche et marketing notamment? Non? Non? Je savais mais pas ça! Sur la porte. Stat. Ok. Ah ouais, personnel supplémentaire. Bien joué. Merci, madame. Bah ouais, non, mais c'est ça. Ça aide quand même pas mal. Radio. We have a winner for those tickets. Robbie Marmalade, who called in with the correct answer. The semicolon's most popular song is Four is a four-letter word. En règle générale, c'est mieux d'avoir autant de bureaux que d'employés par salle. Ouais, c'est ça, ouais. J'essaye, mais c'est pas toujours évident. Des fois, j'embauche trop, des fois, j'embauche pas assez. C'est vraiment pas toujours évident à doser l'embauchage et le débauchage et le limogeage. Je vais refaire une salle de psy là-bas. Parce que ça a l'air de saturer un peu chez la psy. J'essaie d'avoir au moins autant d'employés que de salles, si possible, deux en plus pour les roulements, et j'embauche ceux qui ont rien en formation, comme ça je les forme comme je veux. Ouais, non, mais c'est... Ouais, pas bête. Tu as de bonnes indications, hein.
Salle d'injection. Bah, j'ai un possesseur du jeu, donc attends, salle d'injection que je dois faire. Je te lis après, hein, excuse-moi. Je fais la salle d'injection et je te reprends aussitôt après. Est-ce que la... Ouais, l'armoire pharmacie, elle doit marcher aussi, ici. Tac. Hop. Tu peux abuser de la pause. Ouais, non, je sais, j'y... Des fois, j'y pense et je mets constamment en pause, puis des fois, j'y pense pas du tout et je mets jamais en pause. Surtout en fin de mois. Ouais, la pause en fin de mois, elle fait du bien. Avant de voir ton compte flamber dans le rouge. Oh, par contre, il est 10h30. Oh, je tarde ce soir. Ah, tiens, le bot aime pas mon message. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit à mon bot? Et toi être dans le trou, ça lui plaisait pas. Non mais t'inquiète, il y a des mots comme ça. Malade aussi, il aime pas. Si tu mets le mot malade dans une phrase, il te bloque la phrase. T'as pas le droit d'être malade. Il y a des trucs comme ça qui... Oui, comme ça, ça lui plaît pas. Il fait sa vie. C'est que j'ai pas assez de modos sur ma chaîne pour pouvoir filtrer beaucoup de messages. Et donc sur coup, comme c'est moi qui filtre, j'essaye d'avoir le bot pour en filtrer d'autres. Mais ouais, mais au fur et à mesure, en fait, je configure les mots pour qu'il les accepte. Mais petit à petit, il faut que j'autorise à chaque fois pour qu'il comprenne qu'il a le droit de ce mot-là, le droit d'être dit. Pense à mettre des poubelles, les agents d'entretien te remercieront. Mais j'en ai mis, madame. Madame. Léna, oui? À moins que ce soit Julien. J'en ai mis plein! Des poubelles. Je n'écoulais pas tout des poubelles. J'ai mis des poubelles traditionnelles. J'ai mis des poubelles non traditionnelles. Voilà, je t'en remets d'autres cadres. Voilà! Là-bas aussi, j'en ai mis aussi, donc. Alors, Julien, pas Julien. Ah, excuse-moi. Et oui, c'est Léna, sinon. Julien, c'est pas commun, c'est très joli, j'aime bien. C'est vrai qu'on a toujours l'habitude de Julien, mais Julien, ouais, c'est vraiment pas joli. C'est... Pff, n'importe quoi. C'est vraiment pas commun, c'est très joli. J'ai fait une contracture de phrase, tu vois, j'ai mis deux phrases en une. Ce qui fait pas du tout le même sens. Chez moi, c'est assez récurrent, ça. Donc, faut que tu t'y fais à ça. Hein. Tout comme les déformations de pseudo aussi, ça... Ça se prononce Gillian. D'accord. Mais j'aime beaucoup.
Autant fais pas, je mange souvent mes mots. Ah non, mais c'est fou, hein. Quand t'as une idée en tête de ce que tu veux dire et que tu essayes d'aller... Enfin, c'est même pas que t'essayes d'aller vite, tu sais pas pourquoi. Mais ton cerveau, il contracte les deux phrases comme ça, il dit c'est bon, là, tu me... Hop, on boucle. Au suivant. C'est mon nom de plume, du coup je l'ai depuis plus de 15 ans. Waouh! Ah, t'es écrivain? T'es écrivaine? Donc, c'est Léna? Ah bah moi j'ai fini d'arroser les plantes, pourquoi je continue à lui demander d'arroser les plantes? Le labo de résolution, je l'ai fait, hein. Peut-être pas. Ah. Oui, tu l'as fait. Merci. Et heureusement que t'es là, hein, parce que alors moi, je suis même plus le jeu. Je suis en train de parler avec toi. Former un docteur. En quoi on aurait besoin d'un docteur? Voilà, on va faire un psychiatrie niveau 2, tiens. On a des sous, on peut le faire. Non, non, c'est pas le psy qu'il me faut. Au pire, si tu as un doute, tu vas dans la salle et tu passes la souris. Ouais, c'est ça. C'est ce que je fais. C'est pour ça que c'est ce que j'allais faire, en fait. Et tu m'as dit, non, non, tu l'as. Donc c'est bon, j'ai dit off. Pas besoin de me fatiguer. Léna est là, elle me file toutes les solutions. Elle connaît mieux mon hôpital que moi. Surtout que ce soir, niveau concentration, autant te dire que... J'ai le palmarès niveau concentration ce soir. Je suis pas du tout concentrée. Je m'amuse, je rigole, je discute. Et pourtant, je suis pas au mieux de ma forme ce soir. Bah mince, qu'est-ce qui t'arrive? Rien de grave, j'espère. Juste un coup de froid, je pense, et fatigué du bébé, mais c'est normal, ça. Ah, ça. Je te rassure, ils nous épuisent toujours, même quand ils sont plus grands. Mais ouais, non, les premiers mois, c'est chou. Il est pas encore là, le mien. Ah, oui. Ouais. Et ben, t'es à combien là de moi? Une salle de chirurgie. 8 mois. Ouh, t'es presque à la fin là. Since taking a break from my search for hobbies, I've realized that my favorite hobby is searching for hobbies. I guess it's like the meaning of life. Asking the question is what gives it meaning. Which brings me to my new hobby for the week, collecting paradoxes. If you've come across a paradox lately, I'd like to hear all about it. Ouais, ouais, non, c'est très éprouvant la grossesse. Ça, là-dessus, une petite écho de 36 semaines lundi pour voir si on déclenche en avance ou pas.
Il était très gros sur les deux dernières échos. Ah, ouh. Ouh. Le passage va être étroit. Moi, il était pas très gros, donc ça va. Hein. Il était grand, mais pas très gros. Mais il est toujours grand et pas très gros, d'ailleurs. C'est resté. Mais non, c'est sympa. Non, bah, tu vas voir, ça va bien se passer. Tu vas voir, c'est une grosse étape à passer. Après, c'est franchement, c'est que du bonheur. Même si on est épuisé, même si qu'est-ce qu'on aimerait souffler. Mais c'est que du bonheur quand même. Moi, je vois le mien, il pousse à toute vitesse. Fois je me dis il est où mon petit bébé que j'avais. Le truc qui m'a fait prendre 20 kilos pendant ma grossesse. Mais non, c'est chouette. Franchement, ouais, c'est chouette. Moi, j'ai pris 9 kilos. Mais j'en avais perdu 10 juste avant. Ah ben. Moi, j'avais commencé à prendre déjà avant parce que j'étais dans une autre... dans un autre style de vie. Donc, j'avais déjà pris du poids en arrivant dans cette nouvelle vie. Et... À peine un an après, je suis tombée enceinte, alors autant te dire que ça a cumulé. Et qu'il est sorti et que c'est pas pour autant qu'il a pas laissé ses meubles dedans. Hein. À se demander si réellement il est sorti à un moment donné. Tired of hearing all the good things going on in the world, sick of cheery headlines and positive articles. Then read the Daily Sneer, because good news. Ah, t'avais commencé un rééquilibrage alimentaire quelques semaines avant de tomber enceinte. Ah bah écoute, tu vois, c'est peut-être ça qui a déclenché aussi. Hein. C'est peut-être ça qui t'a permis d'être enceinte surtout. Du coup, j'ai dû arrêter et je reprendrai après l'allaitement. Ouais. Ouais, parce que pendant l'allaitement, ton corps va beaucoup puiser. Hein, donc faut penser à bien s'alimenter. Après, honnêtement, si t'as des petits doutes, c'est possible, mais c'est aussi parce que j'ai arrêté de me mettre la pression. Non, mais c'est ça. Hein. Après, si t'as des petites questions sur l'allaitement, si tu as des petits doutes et que tu as personne autour de toi vraiment pour te conseiller, n'hésite pas. Tu peux m'envoyer des messages sur Twitch. N'hésite pas. J'ai allaité mon fils pendant 2 ans, donc l'allaitement. Je connais. Il a même essayé de m'escroquer un peu plus d'ailleurs. Il y a 2 ans et 1 mois, il a arrêté d'allaiter pendant 3 jours. Je dis bon, c'est bon, il a passé. C'est fini, il n'y a plus d'allaitement, il est devenu grand. 4e jour, il me dit « Hé, maman, tété !» Je dis « Non, pas tété, fermé, il n'y a plus, ça existe plus, tété. Ça fait 3 jours, tu l'as pas pris, en panne. » Ouais, c'est ça, ouais. Ben, ouais, c'est ça, hein. Moi, je sais que je me suis vraiment pas mis la pression là-dessus. Ça s'est très bien passé. Après, j'ai vite fait compris qu'il y avait des aliments qui, quand tu sentais que tu avais un peu moins de lait, qui te favorisaient vraiment la montée de lait. 2 ans, je vais pas aller jusqu'à là. Hein. Après, moi, c'était des circonstances particulières aussi. C'est que c'était plus un réconfort qu'un allaitement réel jusqu'au bout. Hein. Ouais, bah c'est ça, ouais. Bah, j'avais un tire-lait, mais le père s'est jamais servi. Enfin, de toute façon, le père s'est jamais occupé du petit, donc
J'avais préparé, j'avais acheté le tire-lait, j'avais tout, les biberons, pour s'ils voulaient, mais la participation n'était pas de son fort. Donc, There's a lot of stuff we need to figure out if we're going to save our planet. Starting with renewable energies. ouais, mais moi, il y avait des circonstances, si tu veux, il y avait des circonstances qui ont fait que j'ai pas forcé les choses parce que honnêtement, le comportement de toute la grossesse et dans la salle d'accouchement m'a conforté dans l'idée que, et puis après ce qui s'est passé m'a conforté dans l'idée que il voulait l'enfant, c'était juste pour me retenir et pas du tout il a insisté pour avoir un enfant, c'était plus pour me retenir pour pas que je m'en aille plutôt que de réellement vouloir un enfant. Il pensait que ça serait une laisse qui me tiendrait à domicile. Sauf que c'était très mal me connaître. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Après, honnêtement, moi, il aurait réellement eu un intérêt pour son enfant. Mais ouais, carrément. Mais vas-y, prends les biberons, passe du temps avec ton fils. Vas-y, carrément. Les hommes croient beaucoup de choses à tort. Ah, ça. Ça. Mais bon, après, voilà. Après, l'enfant a souffert de la situation et c'est ce qui m'a décidé à partir et à emmener l'enfant. Donc, voilà. Pour moi, il était clair que c'était pas capable d'assumer. Oh, moi, il a jamais fait ça. Alors, moi, déjà, les cours d'accouchement, je les ai pas pris. Je les ai pas fait. J'avais ma sage-femme qui venait et qui était vraiment super. Et donc, surtout, c'est elle qui me disait ce qu'il faudrait que je fasse, ce qu'il faudrait pas que je fasse et tout ça. Une n'a jamais été là. Non, toucher mon ventre, parler à mon ventre ou quoi. Non, pour lui, c'était complètement... c'était complètement inexistant. Donc, voilà. Et puis, j'espérais qu'après la naissance, ça se passe mieux. Et malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas. C'est qu'il en avait strictement rien à secouer. Ah, ça, quand tu connais personne. Alors, ça, j'ai été dans ta situation parce qu'en plus, le père de mon fils habite très très loin de chez moi. Et donc, sur coup, j'ai dû partir de chez moi. Donc, je connaissais personne. Donc je suis tombée enceinte sans connaître personne, c'était vraiment une toute nouvelle vie et sur coup, tout s'est un peu enchaîné un peu malgré moi et c'est vrai que c'était un peu compliqué. Mais après ouais, il aurait eu un intérêt pour son fils, je serais restée. Mais sauf qu'il n'avait aucun intérêt pour son fils et que voir l'enfant souffrir de ça, c'était pas drôle du tout. Allez, pique deux. Hints for tin foil hacks. Plus qu'un. Stay tuned. Plus qu'un. Je m'en doutais qu'il était là. C'est bizarre, à chaque fois qu'il m'en reste un, il est toujours en salle commune. Alors, je suis ici depuis 10 ans bientôt, mais je suis assez casanière, alors ça aide pas. Je vais tenter de faire plus de connaissances avec nos futurs voisins quand on aura déménagé. Non mais c'est ça, mais après...
faut pas non plus forcer les choses, parce qu'après, si tu forces les choses, ça va, t'auras pas de... Ça t'aidera pas. Donc faut pas forcer les choses, après ça va venir quand ça viendra. Mais honnêtement, ouais, essaye quand même de... Ne serait-ce que, voilà, même si c'est pas tes voisins, même si c'est pas... Essaye quand même d'avoir quelques contacts, au moins ça fait toujours du bien. Ben là, non, ils étaient tous dans ce bâtiment principal. Par contre, il était... le dernier était en salle de... Après, j'ai quand même quelques personnes, hein. Oui, non, mais c'est ça. Mais après, voilà, après, chaque... Puis chaque personne a son caractère, hein. Tu sais, il y a des... Moi, personnellement, j'aime pas être trop entourée non plus. Après, ça a des inconvénients, certes, mais si je suis trop entourée, s'il y a tout le temps du monde et tout, mais je finis par étouffer, quoi, parce que ça m'oppresse. Donc après, ça dépend vraiment des caractères des personnes. Hein. T'as des personnes qui sont faites, qui ont le caractère à vouloir plein de monde toujours. Moi, je vois, j'ai une de mes voisines, elle a toujours du monde chez elle. Mais moi, je pourrais pas. Moi, je pourrais pas. Je deviendrais dingue si j'ai tout le temps du monde chez moi. Je me sentirais pas libre. Bon, je crois qu'il va falloir que je fasse un prêt. Hein. Moi, j'aime bien avoir quelqu'un à côté de moi, mais si on parle pas et qu'on fait chacun notre truc, juste avoir une présence. Ouais, non, c'est ça. Mais ça, c'est ton conjoint qui remplit cette place-là. Hein. Ouais, c'est ça, les prêts, c'est le coup foireux, je sais. Mais là, j'avais pas le choix, en fait. Parce que mon objectif, c'est les 200 points de recherche et la promotion. Sauf que, au final, là, je suis pas... La promotion, ils ne la demandent pas. Et les points de recherche, j'ai pas non plus. You're listening to Nigel Bickleworth. On Two Point Radio. I am Sir Nigel Bickleworth. This is Two Point Radio, and you are a very fortunate audience. Par contre, moi, j'ai pas tardé à aller faire dodo, parce que sérieux. Oh, ouais, il est 23h. Oh là 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 là. Ah, si demain matin, j'arrive pas à me réveiller, je dirais que c'est la faute de Léna. Alors. Promo. On va se faire la salle de promo. Ah! Attends, reviens ici. Bon, on va pas la faire. Le mec, t'as encore censuré ton message. À être hyper longtemps sur le PC car le bébé me tape dans les côtes. Hein, et ça, c'est des bons souvenirs, ça. Ouais, le mot chat, il aime pas. Chat, ça passe. Chat, non. Il a des fixettes, hein, comme ça. Tu sais, que veux-tu Non, on n'a pas le droit d'avoir des chats femelles. C'est interdit. Il y a pas de loi qui... Il y a une loi qui dit que les chats femelles doivent s'appeler des chats femelles. Euh...
Mais sur coup, il y a un autre message qu'en fait, il t'avait... Non, c'était celui-là, en fait, qui t'avait censuré. Mais sur coup, je l'ai lu, mais je sais plus... Oui, si, si, et je t'avais dit, oui, oui, ça, les coups de pied dans les côtes, c'est toujours intéressant. Ma pauvre saucisse, ça va être triste quand je vais lui dire qu'elle est censurée sur Twitch. Bah ouais, hein, t'as vu? Celui avec trou aussi, il avait été censuré. Bah oui! Oui, 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 oui. Les trous, les chattes, il a très les idées mal placées, mon truc, hein. Nous, on parle tout gentiment, calmement et tout, mais lui, il a vraiment les idées mal placées, hein. Limite, c'est lui qu'on devrait plus censurer que nous. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, comme ma chaîne est quand même basée aussi beaucoup sur les enfants qui viennent voir, toi, des plus jeunes, j'ai essayé quand même que le... Que s'ils lisent le chat ou que s'ils entendent parler... C'est pour ça que sur Discord, il y a tout un règlement, parce que s'ils entendent parler, je veux... Voilà. Tout ce qui a la connotation sexuelle purement, j'en veux pas. Après, on peut faire des petits jeux de mots, des petits trucs comme ça, d'accord, mais pas du pur brut, quoi. Donc, non, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Hein. Donc, bah, c'est pareil, il y en a beaucoup aussi sur ma chaîne qui se font avoir parce que j'ai avec les points de chaîne, tu peux avoir pas de jurons. Et en fait, à chaque fois, je suis obligée de les rembourser parce que je n'en dis pas. Donc, sur quoi ils veulent m'interdire d'en dire, mais en fait, comme je n'en dis pas d'origine, en fait, bah, ça. Donc, à chaque fois, je leur rembourse. Ça les occupe. Bon, par contre, moi, je vais m'arrêter là parce que là, je commence vraiment à saturer et je commence à avoir mal au dos. Ouais, non, c'est ça, mais moi c'est parce que ben, souvent je joue avec les plus jeunes, je joue à Fortnite, tu vois, enfin voilà, on avait une grande team avec des plus jeunes, des moins de 18, donc sur coup je pouvais pas me permettre de ne pas les protéger, quoi. Tu penses que tu vas aller au lit aussi? Ouais, je pense que pour le dos, ouais, c'est pas mal. Ton homme est streamer? Oh, bah écoute, ça c'est une bonne info. C'est comment son nom? Dalias Trouf, d'accord. Je connais pas. Je l'ai pas encore... Je l'ai pas encore croisé. Mais sur coup, je pourrais pas le raid parce que si. C'est pas avec Asaelin? Non, il est avec. Si c'est un rageux. Si c'est un rageux qui râle et qui en plus. Deux fois, trois fois. Oh, ça voilà, 6 fois, frère. Il fait quand il a envie après le taf le week-end. Oh oui, il râle souvent. C'est vrai que j'essaie d'aider un peu les autres streamers en essayant de raid et tout ça, mais après je choisis. Il est speedrunner. Ouais, bah ça je l'avais fait au départ. Mais moi je l'ai fait jusqu'à l'affiliation, après j'ai arrêté. Bah moi aussi c'est pour le plaisir, hein, je fais pas non plus, je me prends pas la tête, hein. C'est pour s'amuser et on passe à un bon moment plutôt que de se prendre à la tête. Il y a des gens qui appellent ça l'enfer, il y a des gens qui appellent ça juste une chier, quoi. Donc voilà. Alors, moi j'ai mon travail à côté, donc voilà, je stream aussi quand je suis chez moi, quand je suis dispo. C'est les derniers dégâts de feu. D'importants dégâts de feu. C'est sur ce mur pour infliger. Hop. Allez, on va lancer un petit raid chez Krimari.
Hop, j'avais promis que je revenais ce soir. Hop, voilà. Il va être quoi, tard. Il va hurler encore. Je peux faire d'importants dégâts de feu. C'est écrit Marie qui t'entend. C'est la personne que je vais lancer le raid. Hop là. Ennemis de 100 maudits. Okay. Eh ben bonne nuit ma belle et puis écoute à bien, très bientôt. Genre des dégâts de feu continu. C'est le cheat ça en vrai. Oh, il touche ma trappe.